Mesdames et messieurs, bienvenue dans De la couture et des lettres avec Lily Kou et Jean-Michel pour le mot le plus long. Consonne. T. Voyelle. O. Consonne. D. Voyelle. U. Consonne. T. Voyelle. A. Consonne. R. Voyelle. U. Consonne. C. Voyelle. I. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. D. Jean-Michel. 5 lettres. Lily Kou. 13 lettres. Couture addict. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce 6e podcast Couture. Moi, c'est Aurélie de la chaîne Lily Kou. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite éventuellement à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas également à liker et à commenter. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Voilà, je crois que tout est dit. Eh bien, écoutez, je suis vraiment, comme je vous le disais, ravie de pouvoir tourner cette nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer les dernières réalisations que j'ai cousues. Donc, tout d'abord, on va commencer avec le top que j'ai fini vraiment hier et qui est un gros coup de cœur. C'est le top que je porte aujourd'hui. C'est un patron de la marque Chute Charlotte. Alors, comme vous pourrez le voir, il n'est pas parfait. Il a quelques petits défauts, mais je vais vous détailler ça tout de suite. Par contre, c'est vraiment un coup de cœur. J'en ai déjà, pour tout vous dire, coupé d'autres. Alors, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Donc, c'est un top en jersey. Alors, c'est un top ou une robe, en fait, hein. Vous avez les deux versions dans le patron. Et puis, vous avez également plusieurs versions pour l'encolure et pour les manches. Donc, c'est la caractéristique de ce top, c'est quand même que c'est un top aux épaules dénudées. Donc moi j'ai choisi de faire sur cette version l'encolure V. Donc voilà, vous voyez qu'on a un léger V au niveau du bandeau. Mais vous avez également la possibilité d'opter pour une encolure qui serait toujours à épaules dégagées, mais qui serait plus droite avec un simple bandeau, ou alors avec un bandeau qui se replie sur lui-même. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce patron. Je trouve qu'il est vraiment très saillant. Vous pouvez également faire plusieurs niveaux de manches. Donc, c'est ce qui est vraiment top, je trouve. C'est-à-dire que vous pouvez le coudre à la fois pour l'été, mais également pour les saisons intermédiaires, puisque vous pouvez tout à fait opter pour des manches 3/4, qui sont prévues d'ailleurs dans le patron, ou des manches un petit peu plus longues. Et vous avez même l'effet éventuellement noué au bout de la manche. Donc ça laisse un panel de choix quand même assez important. Donc je trouve que c'est bien de pouvoir coudre un patron comme ça pour toutes les saisons. Voilà, donc moi je l'ai cousu ce patron donc de la marque Chute Charlotte, comme je vous disais. Il s'appelle Pretty Woman, donc c'est un patron qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Chute Charlotte. En fait, c'est une marque qui propose des patrons généralement plutôt accessibles aux débutants, et elle a toute une collection également de robes, de demoiselles d'honneur, etc., qui sont assez choux. Et elle avait quand même pas mal à ses débuts de détails en liberty, en fait, dans ses patrons. Voilà, et elle propose un club qui s'appelle le Club Chute. Et depuis peu, en fait, si vous êtes abonné au Club Chute, vous avez le patron du mois gratuit avec votre abonnement. Mais vous pouvez aussi acheter les patrons séparément. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il s'appelle Pretty Woman, je ne sais plus si j'ai déjà dit. Il se coud exclusivement en jersey ou tissu extensible de la même sorte. Et donc moi je l'ai réalisé en taille 40 d'après le tableau des tailles. Donc c'est la version que je porte là sur moi, la première version que j'ai testée. Donc en fait le top en lui-même est facile à assembler, c'est-à-dire que vous assemblez un devant, un dos qui sont les mêmes pièces et les deux manches. Donc ça fait un peu comme un raglan en quelque sorte. Vous assemblez ces quatre pièces-là assez facilement, rapidement, d'autant plus si vous avez une surjeteuse.
Et puis ensuite, vous assemblez le bord des manches et les côtés comme un t-shirt classique. Et vous vous retrouvez donc avec ce t-shirt qui est coupé en fait au niveau des épaules. Donc, quand j'ai cousu le top hier, j'ai fait un premier essai avant de coudre le bandeau. Et j'ai trouvé qu'il était quand même assez large. Et je me suis dit que je risquais de le perdre en fait parce que voilà, ça ne me tenait pas du tout. Alors, il n'y avait pas le bandeau bien évidemment, mais ça ne tenait pas du tout. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse attention au moment où je vais coudre ce fameux bandeau. Donc, pour la version V, en fait, ce sont deux pièces. Vous voyez cette pièce-là qui commence ici et qui va jusqu'au dos. Puisque dans le dos, on a le même croisé. Voilà. Et puis, vous avez un deuxième bandeau qui est exactement la même pièce et qui se poursuit également. Au moment d'assembler le bandeau, je me suis dit qu'il allait falloir que je fasse attention à ce que ça resserre bien. Et quand j'ai plaqué le bandeau en fait, sur la partie du top, j'ai trouvé que le bandeau était quasiment de la même longueur que le top, ce qui m'a un peu étonnée parce que je m'attendais à ce que ce soit resserré justement pour mieux tenir. Et donc, je me suis permise d'étirer le bandeau en me disant ça va bien resserrer et ça va mieux me tenir par rapport à l'essai que j'avais fait. D'où les imperfections que vous voyez, puisqu'en fait, c'était manifestement pas une bonne idée. Et donc, ça gondole un petit peu. Vous voyez ? En fait, j'ai étiré mon bandeau, j'ai fait fi des repères, j'ai étiré mon bandeau comme s'il s'agissait d'une bombe en colure, en quelque sorte. Enfin, j'ai tiré un petit peu moins. Et je me suis dit, là, au moins, ça va tenir et ça va être à ma taille. Alors, il est tout à fait portable et il est pas mal, mais je sais qu'il y aura des versions mieux, puisque c'était pas une bonne idée d'étirer comme une sauvage le bandeau, comme je l'ai fait. Voilà, donc j'ai déjà coupé une deuxième version que je vais me coudre incessamment sous peu, parce que vraiment, l'effet est vraiment super. Donc, je l'ai coupé en 38 au niveau du haut. J'ai gardé la même taille au niveau de la taille, puisque là, ça me correspond bien. Donc il y a un point technique quand même sur ce patron, donc il est accessible aux débutants qui ont quand même déjà un peu d'expérience parce que vous avez un angle en fait à gérer ici. Alors autant ce genre d'angle, bon déjà dans du chaîne et trame je trouve qu'il faut quand même pouvoir s'entraîner pour pouvoir le réaliser, dans du jersey c'est moins évident et d'autant plus sur du jersey noir. Voilà, mais c'est en fait c'est le principe d'un angle, hein, c'est-à-dire que vous cousez en fait cette bande-là, vous voyez, vous la cousez jusqu'ici et là où vous arrivez dans l'angle, en fait, il faut cranter sur la partie du top et puis retourner votre bande pour finir de la coudre en fait ici. Voilà, donc ça, c'est quand même un peu technique. Si vous êtes vraiment, vraiment débutant, je dirais pas que c'est infaisable, mais il faut peut-être vous entraîner quand même sur une pièce avant. Voilà, et puis il faut pas le rater, sinon ça risque de vous faire un petit bout qui rebique ici. Voilà, donc pourquoi je bégaye tout le temps? Donc quand j'ai essayé ce top hier soir, autant vous dire que ma fille est avec moi, elle m'a dit « Waouh maman, il est trop beau, j'en veux un aussi ». Donc je lui ai déjà coupé une version dans sa taille et vraiment je prévois de m'en faire d'autres parce qu'il est vraiment génial. Enfin nous en tout cas, ici il fait chaud et je trouve que c'est le petit top facilement portable. Et en version robe, je suis sûre qu'il sera très bien aussi. Donc c'est un patron que je vous recommande. Au niveau de la marque Chute Charlotte, j'ai juste un petit regret sur les planches de patron. C'est vrai que ce sont des planches de patron qui ne comportent pas de marge, donc c'est assez sympa de pouvoir assembler feuille contre feuille. En revanche, ça crée généralement des décalages. En fait, moi, c'est le deuxième patron de cette marque que je couds. Et j'avais eu le même souci lors du décalcage du premier patron, enfin lors de l'assemblage plutôt du premier patron. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de marge, bah, ça crée des décalages et parfois les lignes sont un petit peu, sont pas forcément au même niveau. Donc ça, c'est un peu pénible. Après, je dirais que sur un top en jersey comme ça, c'est pas dramatique non plus puisque le jersey est un tissu extensible, donc on n'est pas au millimètre près. Je pense que ça vient du fait qu'il n'y ait pas de marge. Je pense que la façon dont on dispose nos feuilles dans l'imprimante et la façon dont l'imprimante les engage en fait dans le système fait qu'au bout d'un moment, ça peut créer des décalages. Donc je pense pas que ce soit un problème du patron, mais je pense que voilà, c'est le fait de ne pas avoir de marge. Et d'ailleurs, j'avais remarqué aussi que c'était la même chose chez Apolline Patterns, qui propose le même système. Donc je pense que c'est dû à ça. J'avais imprimé un patron avec des marges de 5 mm il n'y a pas très longtemps, et je m'étais aperçue qu'effectivement, les feuilles bougeaient à l'impression, et que du coup, c'était pas forcément le top, en fait. Ça paraît beaucoup plus simple de pouvoir assembler nos patrons directement, mais ça peut créer des petits décalages après qui ne sont pas compliqués à rattraper non plus, donc c'est pas du tout insurmontable. Voilà, donc je vous recommande grandement ce patron si c'est le genre
vêtements que vous aimez porter. Moi, j'aime bien les vêtements confortables. C'est vrai que bon, là, on est en période d'été. Je privilégie vraiment les vêtements confortables et les vêtements jersey en font vraiment partie. Donc voilà pour cette première réalisation coup de cœur, c'est pour ça que je vous la présente en premier. Ensuite, on va passer à une deuxième réalisation, donc c'est une réalisation duo. C'est un patron dont je vous avais parlé lors de mon dernier podcast de fin décembre. Je vous avais parlé du coup de cœur que j'avais eu pour un patron fibre mood, donc qui est le pull au sweat Didi. Alors là, autant vous dire qu'il fait hyper chaud, d'ailleurs je pense que vous voyez ma peau qui reluit. Et donc quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on coud des pulls, voilà. Je ne sais pas ce qui m'a pris de vouloir coudre ces pulls. Je crois que je suis grandement influencée par les patrons que je vois actuellement. Donc forcément, les patrons qui viennent d'Europe, ce sont des patrons d'hiver. Et du coup, bah, j'adore certains patrons d'hiver, je les couds quand même. Alors après, c'est pas très grave, il fait chaud aujourd'hui, mais d'ici 4 mois, il fera beaucoup plus frais le soir, en brousse en tout cas, pas la journée mais le soir. Donc je sais que mes pulls serviront et c'est une très bonne chose. Alors pour mémoire, le pull au sweat Didi, c'est celui-ci. Donc un pull de type camionneur avec un empiècement en fait ici qui permet de venir coudre en fait la fermeture éclair qui est prise en sandwich en fait dans la pièce. Donc le schéma technique, je vous le remontre. Je vous le montre si vous n'aviez pas vu mon dernier épisode. Voilà, donc c'est un niveau 3 sur 5, je confirme. Il n'est pas difficile à assembler puisque c'est un... Si vous avez déjà assemblé des pulls ou des suites, bah c'est la même chose. Donc vous voyez, il est à épaule légèrement tombante. Et puis, bah, j'ai réalisé un duo pour cette version. Donc en taille M pour moi, en taille S pour ma fille qui fait habituellement du 34-36. Elle va vers le 36 aussi maintenant, mais on ne voulait pas lui faire trop près du corps, donc on a opté pour la taille S. Bon, là il paraît un peu... il paraît un petit peu... comment dire? Il n'a pas trop de structure parce que je l'ai mis sur mon mannequin enfant et forcément bon, c'est quand même une taille adulte, donc ça rend pas... ça rend mieux porté que sur les mannequins, vous pourrez le voir après. Donc comme je vous disais précédemment, donc le point technique en fait de ce patron, c'est un empiècement. Donc cette pièce là en fait c'est une pièce qui est cousue en double. On prend en sandwich la fermeture ici. Et le deuxième point technique, alors la fermeture elle n'est pas compliquée à coudre, en fait vous avez des repères qui vous indiquent où commencer la couture et puis c'est assez logique. Mais bon, si vous êtes ultra débutante, effectivement il faudra peut-être aussi prendre bien votre temps. Et puis, le deuxième point technique, c'est une couture en angle, puisque vous venez rapporter cet empiècement ici. Donc, il faut bien faire attention à pouvoir coudre votre angle correctement. Alors, ça me fait penser au dernier podcast de Sandrine de SB Création qui a cousu une blouse justement avec un empiècement qui ressemblait à ça dans la forme et qui expliquait comment coudre les angles. Et elle a un article de blog sur ce sujet. Donc j'ai trouvé ça extra, je me suis dit ah bah tiens ça tombe bien, Sandrine donne des explications, donc je vous invite à vous reporter à son tuto si vous avez des questionnements sur les coutures d'angle. Bon, en fait c'est un peu comme le top dont je vous parlais ici, hein. vous cousez en fait une partie puis l'autre, mais avant de retourner votre pièce il faut cranter pour laisser le tissu aller sur l'autre côté. Voilà, donc vous voyez que pour cette version, alors ce sont des tissus que j'ai achetés chez Estragier. Je vous avais montré mon inspiration dans le dernier podcast. Donc c'est un lainage qui est imitation tricot en fait, hein, qui est de très très bonne qualité. Donc ma fille a choisi cette couleur un peu camel rouille on va dire. Et puis moi j'ai choisi cette couleur vieux rose que je trouve magnifique. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur ce tissu à part qu'il m'a fait vraiment galérer. Il m'a fait vraiment galérer parce que j'ai eu de gros problèmes en fait à le coudre.
C'est un tissu assez épais, mais pourtant, oui, pourtant pas forcément plus que d'autres tissus de ce type-là. Mais en tout cas, moi, il a galéré. Enfin, il a été galère au niveau de ma surjeteuse et de ma machine à coudre, mais surtout de ma surjeteuse. Alors, au début, j'avais commencé à le coudre à la surjeteuse et en fait, j'ai cassé un nombre incalculable d'aiguilles. J'ai essayé de comprendre pourquoi et je me suis dit que finalement, quand on coud à la surjeteuse, notamment les bordures de manches ou les bordures de bas, de taille, on tire quand même sur notre bande et je pense que d'avoir tiré, ça n'a pas du tout plu à ma surjeteuse. Concrètement, ça a tordu des aiguilles. J'en ai cassé énormément et ça m'a un peu inquiétée d'ailleurs pour ma machine. J'ai eu peur de l'abîmer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poursuivi à la machine à coudre. Je crois même que j'avais cousu au point droit parce que bon, c'était pas des parties très exposées. Enfin, voilà, ça reste une maille extensible, mais finalement, on n'a pas besoin d'étirer le tissu pour pouvoir l'enfiler. Donc j'avais cousu à la machine à coudre et j'étais venue surjeter dans un second temps, comme ça j'avais pas besoin d'étirer. Ma machine à coudre a beaucoup mieux résisté au fait d'étirer le tissu. Et par contre après, je me suis dit qu'il fallait quand même que je change les réglages sur ma surjeteuse. Alors ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai changé le fil parce que j'ai cherché des tutos sur internet et il apparaissait que parfois la qualité du fil pouvait jouer parce que s'il y a des micro-nœuds en fait sur les fils, ça peut tirer sur les aiguilles. Donc en fait, je suis partie sur du fil mousse. Je vais peut-être vous incruster une petite vidéo en fait avec l'achat de ma machine. J'ai eu en cadeau un gros coffret de fil mousse, alors j'en avais jamais acheté avant, mais j'ai énormément de couleurs. Donc bon, c'est vrai que moi j'aime bien avoir les fils de surjeteuse, c'est ma petite manie. De la même couleur que mes tissus, je trouve ça vachement plus sympa quand on regarde l'intérieur. Vous voyez là par exemple, oui voilà, il a été surjeté en marron, je trouve ça assez esthétique. Et donc vu que j'ai plein de couleurs, bah, ça tombait bien, je me suis fait plaisir. Donc j'ai passé ma surjeteuse en fil mousse et après j'ai fait autre chose, une chose à laquelle je n'avais pas pensé avant. C'est que j'ai une molette en fait pour réduire la pression de mon pied presseur et donc j'ai desserré un peu la pression pour que ça passe mieux et effectivement j'ai réussi à surjeter un peu mieux, mais bon à la toute fin, alors je sais plus sur lequel c'est, je crois que c'est sur celui-ci, ça cassait encore beaucoup, donc j'ai une partie de la bordure que j'ai fini carrément point zigzag parce qu'en fait le tissu s'effiloche quand même beaucoup, donc je pouvais pas laisser le tissu à cru. Voilà. Donc du coup, en conclusion, ce sont des pulls que j'aime énormément. Mais alors vraiment, mes machines n'ont pas aimé du tout. J'ai aussi cassé des aiguilles sur ma machine à coudre. Voilà, ça a été vraiment, vraiment galère. Alors sur ma machine à coudre, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai, à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, j'ai l'impression que le fil bute finalement sur les fils de la maille. J'avais pas du tout pensé à ça au départ, hein. J'ai eu mes illuminations plutôt vers la fin. Et donc j'ai mis une aiguille Microtex. Je me suis dit, si elle bute sur des fils à l'intérieur, peut-être que la Microtex va passer plus facilement et ne va pas buter sur les fils. Bon. Ça a certainement aidé parce que ça a été mieux. Mais alors voilà. Donc je vous recommande ces tissus pour leur qualité. En revanche, faites très attention si vous devez les coudre. C'est un peu galère. Voilà. Mais sinon, ce sont des tissus que j'ai achetés chez... C'est pas facile à dire ça. Des tissus que j'ai achetés chez Stragier. Allez-y, répétez-le. Voilà. J'ai payé cette maille assez cher, mais ce sont des pièces que concrètement je vais garder assez longtemps. On peut parfois acheter des tissus pas chers et faire de la consommation et avoir des pièces qui durent pas longtemps. Pas forcément, hein, puisqu'on a aussi des tissus pas chers qui résistent très bien dans le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir mis le prix pour des pièces qui vont très certainement durer, ça ne me dérange pas. Donc très satisfaite de ces ouvrages malgré tout. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que alors j'ai eu du mal à trouver des fermetures éclairs. En fait je voulais des fermetures éclairs un peu fantasy comme ça parce que j'ai vu des modèles sur internet et je trouvais que la fermeture toute simple c'était moins sympa en fait, c'était moins original. D'ailleurs je crois que sur Fibremood ce sont des fermetures toutes simples en fait qu'ils proposent et je trouve que ça fait moins joli. Et dans toutes les réalisations que j'ai vues, j'ai trouvé qu'avec les fermetures originales, c'était plus joli.
Donc j'ai fait le tour des merceries locales et j'en ai trouvé une donc comme ça marron, donc un peu contrastante, hein, ça reste dans les tons mais c'est un petit peu plus foncé pour ma fille. Donc vous voyez, elle est avec un petit embout comme ça. Ouh là là, j'en ai trouvé. Voilà. Et par contre, je n'en ai pas trouvé dans d'autres couleurs. Alors ce que j'ai fait, puisque dans l'une des merceries que j'ai dans laquelle j'ai fouillé, j'ai trouvé une solution. Pour moi, je me suis acheté une fermeture donc Bordeaux. Voilà. Et alors, je voulais l'écran comme ça, métallique. Je trouvais que ça faisait joli, ça contraste un peu. Et en fait, dans cette mercerie, elle vendait des petits curseurs comme ça, fantasy. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, c'est à peu près le même que l'autre. Et en fait, elle avait un curseur d'origine, cette fermeture, donc je l'ai cassée avec une petite pince que j'ai achetée spécialement au magasin de bricolage. Et j'ai installé ce petit curseur fantasy. Du coup, j'étais hyper satisfaite de ma trouvaille. J'avais pas envie de commander sur internet et d'attendre trop pour la recevoir. Donc c'était parfait. Voilà, ce petit duo. Donc ma fille est super contente également. Ça va être vraiment une couture portée, rentabilisée. Donc super. Alors, la prochaine réalisation que je vais vous présenter est aussi une réalisation issue d'un magazine Fibre Mood. Donc, si vous avez vu mon dernier épisode de podcast, vous avez entendu que je n'étais pas convaincue au départ par Fibre Mood et que j'ai changé d'avis puisque j'ai testé des modèles. Et du coup, là, je suis en pleine couture des modèles qui me font envie. Le pull Didi en fait partie et j'avais un deuxième modèle en tête dont je vous avais parlé également. Alors, à la suite du dernier podcast, vous avez été quand même plusieurs à m'envoyer des messages en me disant soit vous me disiez « Ah bah tu m'as donné envie de réouvrir mes fibres moutes », c'est vrai que effectivement, alors vous avez beaucoup flashé sur le modèle blouse Bonnie. Je pensais que le pull Clémence aurait eu plus de succès, mais finalement c'est la blouse Bonnie qui a retenu votre attention. Donc j'ai trouvé ça rigolo et plusieurs personnes m'ont dit également « Bah tiens, ça, pourquoi pas effectivement essayer fibres moutes, ça donne envie d'essayer ». Donc je confirme que sur les pulls que je viens de vous présenter, les pulls taillent vraiment bien en fait. On a l'impression, enfin je me répète un peu par rapport au dernier épisode, mais on a l'impression que Fibre Mood, ce sont uniquement des pièces oversize. Et en fait, non, pour en avoir cousu maintenant plusieurs, enfin, plusieurs c'est relatif, mais le pull Clémence n'était pas du tout oversize. Au contraire, il était peut-être même un peu près du corps. Les pulls Didi sont ajustés pile poil comme il faut. Moi, pour tout vous dire, je les ai rallongés. J'ai rallongé le mien un petit peu et j'ai rallongé les manches de 1 ou 2 cm, je crois. Et en fait, c'était pas nécessaire. Et pourtant, je suis grande. Donc, je pense que ce sont des vêtements qui sont déjà prévus pour les grandes statures. C'est la réflexion que je m'étais faite aussi avec le pull Clémence et avec le modèle que je vais vous présenter. Donc, le modèle suivant. Alors, je vais vous le montrer là en photo, mais en fait, il est beaucoup moins beau, je trouve, sur le magazine que sur les réalisations qu'on voit sur Instagram. Mais bon, bref. Donc, c'est la blouse Belle dont je vous avais parlé aussi la dernière fois. Voilà. Et le schéma technique. Donc, en fait, c'est, comme vous voyez, hein, c'est une blouse assez classique au niveau du dos. Et, enfin, du devant et du dos. On a une finition en goutte ici avec une parmenture. Au niveau du biais, c'est un, enfin, au niveau du col, pardon, c'est un biais retourné. Et puis on a ces volants. Voilà. Donc moi au début, je voulais faire le système avec deux volants. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout assez de tissu, puisque les volants sont assez grands et consomment pas mal de tissu. Donc voilà. J'ai fait avec un seul. Tac. Alors, le modèle, je vous le montre tout de suite. Le voici. Il s'est légèrement froissé. Alors, c'est un tissu que j'ai eu chez Cousette lors de la commande que j'avais fait l'année dernière. Je ne sais plus quand. En octobre à peu près.
Alors c'est un tissu qui est assez fin, qui est très joli, qui comprend du lurex, voilà, qui est légèrement transparent, mais au porté c'est pas dérangeant puisqu'on voit pas non plus à travers une fois qu'il est porté. Hein. Enfin, vous voyez là quand je mets comme ça, quand il est sur moi ça ne se voit pas. Voilà, donc quand je vous disais que c'était un modèle plutôt adapté pour les grands. Effectivement, vous allez voir sur les photos la longueur, voilà, plutôt comme ça. La longueur, elle est bien, voire même, il est peut-être même légèrement trop grand. En tout cas, si vous n'aimez pas les tops trop grands, je pense qu'il ne faudra pas hésiter à le recouper. Donc, vous avez ces jolis volants là sur le côté qui ont une forme bien particulière et puis des petits empiècements qu'on rajoute ensuite sur les côtés. Voilà, donc là derrière, on a un petit système de bride. Alors, pour tout vous dire, c'est un petit peu ma déception sur le patron, c'est que j'ai suivi les instructions de fibre mood. Et en fait, je trouve que la bride est beaucoup trop épaisse. Et du coup, bah, je l'avais à moitié repliée un petit peu à la main. Bon, c'est pas très très gênant, parce qu'en plus, avec le bouton, ça va. Mais voilà, c'est le petit point que je modifierais si je devais refaire le patron. Mais pour le reste, je ne modifierais rien d'autre. Donc ici, vous voyez, sur au niveau de la goutte, c'est une parementure. Et donc, j'ai réalisé un biais dans le tissu que je suis venue coudre et rabattre. Ensuite, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps parce que je me suis vraiment appliquée sur ce modèle pour faire définition au top. Alors, ah oui, j'ai fait une boulette au niveau des volants. En fait, la veille de coudre ce modèle, je me suis dit, tiens, pour gagner du temps et pour gagner du temps aussi sur les réglages de ma surjeteuse, je vais déjà rouloter le bord des volants, comme ça je serai tranquille. Et demain, j'ai plus qu'à attaquer ma couture et je vais la faire en vraiment pas longtemps. Sauf que, alors j'avais rouloté le bord le plus large des volants, voilà, comme sans vraiment réfléchir, en me disant, bah, c'est logique. Et quand j'ai commencé à coudre le patron, je me suis aperçue que non, c'était pas... pas le bord le plus grand qu'il fallait rouloter, puisque vous voyez, le bord le plus grand, c'est bien celui qui est cousu au vêtement. C'était le bord le plus court. Voilà, donc j'avais passé du temps à rouloter tout mon bord pour rien. Entre temps, j'avais remis ma machine en surjet normal, donc j'ai dû la remettre en rouloté. Mais bon, ça fait partie des aléas du métier, j'allais dire. Au niveau de l'intérieur, bon, bah, voilà, des surjets classiques. Bleu, vous voyez, j'ai assorti aussi. Et donc, c'est une blouse que j'ai portée une fois et qui est super pour la saison. Le tissu est hyper léger et respirant. Donc, vraiment, coup de cœur. Elle est facile à porter. Alors, autant parfois, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, on coud certains projets et puis au quotidien, ils sont un peu plus compliqués à porter. Donc, on les aime bien, mais on ne les porte pas forcément. Autant celle-ci, je sais que je vais la porter parce qu'elle se porte hyper, hyper bien. Elle est légère. Elle a un petit effet habillé sans être très, voilà, très sophistiquée non plus. Elle est cool, quoi. Elle est vraiment cool. Et je l'adore. Je l'aurais préférée avec deux volants. Pour tout vous dire, je l'aurais vraiment préférée avec deux volants. Mais bon, elle est tout de même magnifique. Et ce tissu est vraiment magnifique. Je vous mettrai les références également. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore, mais j'ai cru voir en... faisant une recherche que d'autres sites vendaient ce tissu également. Donc voilà, je vous montre tout de suite les images portées. Le fait d'avoir cousu ces modèles fibre mood, ça m'a donné envie de coudre encore plus dans les magazines que j'ai déjà, puisque finalement j'en ai pas mal. Donc à la suite de ces coutures, en fait, je me suis mise à refeuilleter tout un tas de magazines que j'avais, essentiellement des La Maison Victor et des Burda, parce que finalement j'en ai pas mal aussi des Burda. Et alors tous les soirs, pendant une semaine, tous les soirs je me prenais avant de me coucher 4 ou 5 magazines et puis je me mettais des petits post-it. Alors du coup j'ai une liste long comme le bras, je n'aurai jamais assez d'une vie pour faire tout ça, mais j'ai quand même repéré des modèles sympas que j'aimerais coudre et je me suis aussi donné comme objectif de coudre un peu plus dans mes magazines.
Et voilà, éventuellement coudre au moins un modèle par magazine, ce serait déjà bien pour, ne serait-ce que pour les amortir et puis voilà, pour utiliser les patrons que j'ai à ma disposition. Alors, la réalisation suivante, c'est une pièce que je ne vous avais pas montrée, parce qu'en fait, il y a pas mal de trucs que je ne vous ai pas montré la dernière fois. Parce que pour tout vous dire, cette blouse, je voulais la refaire, mais honnêtement, je n'ai pas pris le temps, ça fait partie de ma to-do list. Mais du coup, je vais vous la présenter, même si je n'ai pas encore fait ma deuxième version. Alors, c'est une blouse que j'ai réalisée en test pour une nouvelle marque de patron que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La Robe du Chat, qui a déjà réalisé, si je ne me trompe pas, je crois, 5 patrons et elle vient d'en sortir un nouveau. Donc ça, c'est la blouse châtaigne. Donc c'est le test que j'avais réalisé. Donc c'est une blouse un peu ample avec des manches, alors qui ne sont pas des manches très courtes, mais qui sont des manches courtes malgré tout, qui arrivent, je dirais, au-dessus du coude. Et donc avec un léger effet ballon. Et puis le charme, je trouve, de cette blouse, c'est cet empiècement ici, un peu arrondi, qui est vraiment, enfin moi c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette blouse. Donc cet empiècement, en fait, il est doublé et vous avez dans le dos, voilà, le deuxième point qui est remarquable sur ce patron, c'est ce petit triangle là dans le dos, qui est tout à fait charmant. Donc c'est une blouse que j'avais réalisée dans ce Vichy des Coupons de Saint-Pierre. Je vous avais déjà présenté une robe que j'avais réalisée dans ce tissu. Et donc elle est bien, bien sympa. Alors pourquoi je voulais en faire une deuxième version? Parce que après avoir vu les réalisations des autres testeuses et d'autres personnes qui ont également cousu ce patron, je me suis dit qu'elle serait certainement mieux, dans un tissu un peu plus fluide. Donc c'est vrai que ce tissu-là, il est assez rigide. Et en fait, je trouve qu'au porté, ça fait un effet un peu rigide. J'ai pas d'autre mot. Elle se tient un peu trop bien. Alors pour certains modèles, c'est génial. Mais je trouve que ce modèle-là, pour avoir vu plusieurs réalisations, il est plus joli en viscose ou en tissu fluide en tout cas. Et ça donne un aspect beaucoup plus vaporeux. Et donc, c'est pour ça que j'aurais aimé la refaire. Donc, je pense que je la referai un jour. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est quand même assez ample, ici en bas. Et donc, le fait d'avoir un tissu viscose avec un tombé plus fluide, ça donne quelque chose de plus léger, je trouve. Voilà, donc pour cette petite blouse. Si vous ne connaissez pas la marque, je vous invite à la découvrir. Je pense qu'elle a beaucoup de potentiel et moi je pense que je vais acheter un autre patron de cette créatrice parce que j'ai littéralement flashé dessus. C'est la veste hibiscus. Donc c'est une veste un peu type blazer, on va dire, mais qui a une particularité au niveau du col, c'est-à-dire que le col en fait est repris dans la couture d'épaule ici et je la trouve vraiment très jolie et j'ai l'impression que beaucoup de personnes d'ailleurs cousent ce patron. En tout cas, c'est ce qu'on voit passer sur le feed de la créatrice. Voilà, donc pour cette petite blouse. Ensuite, alors je vais vous parler d'un autre modèle. Il s'agit d'un modèle, alors je vais vous montrer la genèse. L'année dernière, je pense qu'il y a à peu près un an, peut-être un peu moins, j'avais trouvé ce tissu extrêmement magnifique. Qui est, je pense, un genre de flanelle, parce que c'est plus épais et plus doux qu'un coton ordinaire, sur lequel j'ai littéralement flashé. Alors j'ai un coupon, je crois que ça doit être 2,50 m ou 3 m. J'avais littéralement flashé sur ce coupon et je me suis dit, je vais certainement me faire dans ce coupon un pyjama d'hiver. Alors il faut savoir que, en fait, je ne porte pas vraiment de pyjama, donc... Pourquoi je voulais m'en coudre un quand même? Parce que, comme je vous disais précédemment, quand on est en brousse le week-end en plein hiver, il fait quand même assez froid. En Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de chauffage forcément dans les maisons. Enfin, on n'en a pas dans les maisons et parfois il y en a quand même en brousse. Et en brousse, on peut avoir des températures qui tombent à 13 degrés le soir en plein hiver. Mais donc là, on se les pèle. On se les pèle littéralement. Et du coup, je me suis dit, ah, mais un petit. Pyjama typique, bon, le truc que j'ai jamais eu de ma vie, mais je me suis dit là, je vais me faire une ambiance cocooning dans ce pyjama.
Donc, vous aurez compris, le modèle que je voulais me coudre, c'était le pyjama classique avec le pantalon droit, du passepoil pour relever tous les détails, y compris dans le haut qui serait donc un haut chemisier pyjama en fait, dans lequel je voyais tous les détails de passepoil, etc. Donc au moment où j'ai acheté ce tissu, j'ai pas trouvé le patron qui me plaisait, donc je l'avais mis de côté. Et puis en fin d'année, la marque Supervision a sorti un modèle de pyjama qui s'appelle Morphée. Et donc là, je me suis dit, bon ben voilà, le pyjama que je voulais est arrivé. Donc j'ai acheté le patron et je me suis dit, c'est bon, je vais commencer la couture de ce pyjama. Alors, le problème, c'est que je voulais faire une toile, notamment au niveau du pantalon, mais je ne voulais pas couper ce tissu directement. Donc, je suis allée acheter un autre tissu. Le tissu en question que j'ai acheté, c'est ce tissu, donc qui est dans la même matière, hein, c'est aussi une espèce de flanelle. Je me suis dit, tiens, bah, il est sympa celui-ci, ça sera bien pour une toile. Et puis en fait, j'ai pris un peu de temps à commencer à le coudre parce que je me suis dit, mais finalement, il est trop beau. Je peux pas coudre ma toile dedans, donc il faudrait peut-être que j'aille acheter une toile. Voilà. Et puis après, je me suis dit, bon, faire une toile de la toile de la toile, c'est peut-être un peu ridicule, hein, donc je l'ai coupé dans ce tissu. Donc, j'ai fait mon essai dans ce tissu. Mon essai de bas de pyjama, et voilà ce que ça donne au niveau du pantalon. Voilà, et là vous allez pouvoir voir que il n'est pas fini. Je n'ai pas cousu les bandeaux qui sont d'ailleurs ici. Voilà, les bandeaux du bas. Pourquoi? Parce que il ne me va pas. Voilà, donc finalement, la moralité de cette histoire, c'est que quand on a envie de faire une toile de toile, autant le faire. Parce que là, il ne va pas du tout. En fait, c'est comme si au niveau des fesses, c'est comme s'il m'aurait fallu une rehausse. Alors, soit il faudrait que je rehausse l'intégralité du pyjama, mais en fait, au niveau là, du haut, enfin, des hanches, on va dire, ça va pas. Il monte pas assez. J'ai l'impression que les fesses, ça remonte pas assez au niveau des fesses. Alors, peut-être que j'ai des grosses fesses et que ça passe pas, je sais pas. Pourtant, je me dis, c'est un pyjama quand même. J'étais partie confiante. Alors, j'avais fait un essai quand même sur moi avant de mettre la ceinture. Mais bon, c'est pas très représentatif puisque voilà, ça vous donne un modèle large comme ça. Et puis, voilà, vous n'avez pas l'épaisseur de la ceinture. Je pensais que ça irait. Et finalement, non. Voilà, donc ça, je l'ai cousu il y a déjà un moment et je ne l'ai pas repris. J'ai pas du tout pris la peine de le découdre et je sais pas comment je vais m'y prendre en fait. Alors du coup ma fille m'a dit, ah mais moi j'adore, donc je vais peut-être voir si j'arrive à couper les pièces dans la taille 34, comme ça ça me permettra d'utiliser ce tissu que j'adore absolument, qui est d'une qualité folle comme l'autre d'ailleurs, une qualité vraiment géniale. Bon, on n'est pas encore en hiver, hein, donc on a le temps. Donc je vais faire ça prochainement, mais voilà, il faut que je trouve une solution et pour l'instant je ne me suis pas encore penchée sur la question. Alors pour finir avec ce que j'ai cousu ces derniers temps, je vais vous montrer, alors ce sont des projets que je n'ai plus avec moi, ce sont des projets que j'ai offerts pour certains, on va dire, entre début décembre et maintenant. Donc je vais vous montrer des photos. Alors le premier projet, c'était un petit ensemble pour une naissance. Donc j'avais choisi de faire le sarouel évolutif que proposait à l'époque le blog Minuscule Infini, donc qui était un patron en téléchargement gratuit, mais depuis quelques temps j'ai remarqué qu'elle n'était plus disponible. Mais bon, vous pouvez trouver des modèles équivalents dans des octobre ou ce genre de choses, donc c'est pas très compliqué de trouver un modèle équivalent. Donc un petit sarouel avec une chute de mes pulls Clémence, ça rentrait pile poil. J'aurais voulu mettre un borco d'une autre couleur parce que c'était un cadeau bébé, j'avais pas forcément envie de coudre du noir. Et finalement je me suis retrouvée à mettre les borcos en noir et à coudre un petit top en noir également parce que, alors je suis carrément allée avec mon modèle à la mercerie pour essayer d'assortir en fait le sarouel, mais je n'ai pas trouvé de couleur qui allait vraiment bien avec. Donc du coup, bon, je suis partie sur du noir, même si c'était pas mon envie, mais au final, c'est ce qui rend le mieux. Et donc le petit top, c'est un petit top d'un magazine octobre, donc vraiment très craquant avec ces petits mancherons volonté en jersey également. Voilà, ensuite, j'ai cousu aussi des tote bags pour mes nièces.
J'ai utilisé la fonction brodeuse de ma machine et donc je leur ai cousu, je leur ai brodé un motif chacune sur leur tote bag que j'ai doublé avec des petits motifs à fleurs. Voilà, et je trouve les résultats absolument magnifiques. J'espère que ça leur plaît. D'ailleurs, normalement, vous regardez mes vidéos, donc dites-moi si ça vous plaît. Et donc, j'ai utilisé la fonction brodeuse, comme je vous le disais. Ça m'a pris un temps de fou, parce qu'en fait, quand on réalise un grand motif à la brodeuse, bah, ça prend quand même du temps. Alors déjà, il y a toute l'étape de préparation qui est assez longue. Et puis après, la broderie en elle-même, ouais. Voilà, c'était quand même des gros projets. On a l'impression qu'un tote bag, finalement, c'est vite fait. Mais quand on ajoute la broderie, la doublure, etc., c'est quand même assez long. Mais je suis hyper satisfaite du résultat et je suis ravie d'avoir pu leur offrir ça. Ensuite, deux autres accessoires que j'ai cousus. Donc, j'ai cousu une trousse pour la rentrée scolaire de ma fille, bah, qui rentre demain. Voilà, dans une autre classe. Et donc, à cette occasion, je lui ai brodé également sa trousse. Alors, en ce moment, elle est à fond dans les motifs vintage. Donc, je lui ai trouvé un motif cassette vintage. Voilà, et j'ai doublé la trousse également. J'ai suivi ses choix de couleurs puisqu'elle voulait du marron. Donc, voici la trousse. La petite broderie vintage. C'est une trousse tout à fait classique. Qui est doublé à l'intérieur. Dans ce cas, on a choisi un petit tissu banane ananas. Et puis ensuite, le dernier type d'accessoire que j'ai cousu, c'est un cadeau pour l'anniversaire de l'une de ses copines. Donc je vous montre la petite panière. Donc c'est une panière assez simple. En fait, moi j'ai l'habitude plutôt de les laisser comme ça, droite. Mais là, ma fille voulait le petit revers. Et donc, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, en fait, elle a fait un petit cadeau, donc un petit gommage comme ça. J'ai également réalisé deux petits chouchous dans des chutes de tissu. Voilà. Également un bandeau pour les cheveux. Donc, vous savez, un petit bandeau quand on se fait des masques ou des soins du visage. Voilà, donc il est un côté en tissu coton Vichy et un côté en tissu éponge. Et donc on a des scratchs. Donc c'est assez pratique quand on fait un cadeau puisqu'on peut ajuster ensuite à la longueur de sa tête. Voilà, également les classiques petites lingettes. Bon, ça c'est hyper facile à faire. Le petit truc en plus c'est de mettre le ruban autour, je trouve que ça fait très joli. Et donc bah, quand on met le petit gommage, les lingettes, le petit bandeau et les chouchous, bah, ça donne un cadeau juste trop mignon. Voilà, donc je trouve ça... C'est vrai que la couture d'accessoires, parfois, quand on fait des coutures plus élaborées, on se dit les accessoires, c'est moins sympa, on n'a pas forcément envie d'en coudre. Mais je trouve que quand on coud des accessoires, qu'on les offre à des personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine de la couture, généralement, on a un effet waouh quand même. Et les personnes apprécient qu'on leur offre quelque chose qu'on a fait de nos mains. Donc, j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup offrir des petites choses faites main pour des occasions spéciales. Voilà, donc on a fait le tour des coutures réalisées dernièrement. Pour tout vous dire, j'ai aussi une robe que je pensais vous présenter aujourd'hui, mais en fait, je ne l'ai pas terminée. J'ai encore tout l'ourlet, toutes les boutonnières à faire. Et puis, je me suis dit que bon, ça attendrait le prochain podcast. Donc, pour les projets à venir, bah, comme je vous disais, j'ai d'autres tops en préparation. Comme ça, là, Wonder Woman. Ah, je me rends compte qu'il se détend un peu au fil de la journée. Et puis, avec le deuxième top que j'ai prévu, celui-ci ira bien avec aussi. J'ai prévu une jupe dans un tissu assez sympa. Et puis, pour la suite, bah, j'ai repéré des centaines de milliers de modèles dans des magazines, mais je ne sais pas encore précisément ce que je vais faire après. Voilà, alors, ce que je voulais, bon, bah, comme d'habitude, un petit point sur mes derniers achats coup de cœur. Alors, bon, je ne vais pas vous présenter tout ce que j'ai acheté, ni tous les tissus...
Comme je vous disais la dernière fois, je les note pas forcément, mais j'ai reçu il y a quelques jours, donc c'est tout frais, une commande de la marque 14 avril. Donc j'étais très contente puisque je me suis aperçue qu'elle est arrivée assez rapidement, ce qui veut dire que les délais de livraison depuis un an vont enfin reprendre comme il faut. Alors j'ai reçu 3 coupons de tissu et je vous les montre. Pourquoi ? Parce que je trouve que la qualité est vraiment très belle et j'adore ces tissus. Donc le premier, alors j'ai pas noté, je vous mettrai la composition exacte du tissu. Voilà, le premier il est comme ceci. C'est un tissu assez léger et d'une qualité vraiment incroyable. Alors, ça fait partie des tissus. En fait, sur cette marque, j'y suis allée vraiment plusieurs fois sur le site ces dernières semaines et je me suis fait systématiquement un panier. Alors, je pense qu'on est plusieurs à faire comme ça. J'ai des paniers dans des tas de sites. Des fois, d'ailleurs, je rouvre une page internet, je me dis « Ah tiens, j'avais fait un panier, j'ai sa marque Wet Mill Article dans le panier, je m'en souvenais plus. » Bref, la plupart du temps, je valide pas mes paniers parce que c'est souvent sur des coups de tête. Et en tout cas, pour cette marque, j'avais un panier éternel avec pas mal de tissus. Et celui-ci en faisait partie. En fait, au départ, il était en rouge. Les petites rayures étaient rouges, puis j'ai fini par choisir les bleus. Mais ça fait partie des tissus que j'avais repérés depuis longtemps. Donc du coup, je suis hyper contente. Je crois que j'en ai 1,50 m. Et donc ça, pour une petite blouse d'été, ça sera vraiment parfait. Donc je suis hyper contente d'avoir validé mon panier. Bon, c'était pendant les soldes. Hein. Je crois que c'était vraiment les derniers jours de soldes. Donc c'était cool. Bon, au final, j'ai enlevé pas mal d'articles de mon panier parce que j'ai trouvé que c'était pas raisonnable. Voilà. Je regrette. Je regrette d'avoir été raisonnable. Ouais. Le deuxième coupon, c'est un Vichy beige. Alors, à Nouméa, on trouve des Vichy comme ça, mais il n'y a pas cette couleur. Donc, je l'ai pris sur le site de 14 avril. Donc, c'est un coton qui est d'une bonne qualité, qui est bien épais. Et je l'ai acheté, ce coupon, pour faire normalement, si je ne change pas d'avis entre-temps, des accessoires. Voilà, pour notre jolie maison, donc on aura une ambiance plutôt bois, nature, etc. Et j'avais envie de faire un truc un peu classique, retour aux sources. Voilà, donc je pense que ce sera des accessoires de cuisine essentiellement. Mais je n'ai pas encore réfléchi précisément à la question. Et dans tous les cas, ça pourra me servir à autre chose. Ma fille m'a dit « Ah, j'adore, fais-moi un fringue dedans ». Peut-être qu'elle sera assortie au torchon de la cuisine. Voilà. Ensuite, le troisième coupon que j'ai acheté, donc c'est une mousseline. Trop canon. Donc tout ça, hein, je vous disais, c'est des soldes. Donc voilà. D'une qualité aussi vraiment très belle. Et avec des petits... Voilà, vous voyez là. Avec des petits fils lurex. Donc ça sera certainement pour l'hiver aussi. Et je compte me faire un... J'avais un modèle en vue depuis très longtemps, mais je ne sais pas si je ferai celui-ci au final. Un chemisier manche bouffante. En fait, j'ai vraiment envie voilà, de faire un truc avec une grosse ampleur au niveau des manches. Et bon, bah, ce sera un vêtement plutôt pour les sorties. Hein. Ce ne sera pas du tout un vêtement du quotidien, même si c'est pas interdit de mettre ça au quotidien. Mais ce sera plutôt pour les petites sorties, des choses comme ça. Il est vraiment très, 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 très beau. Alors, il a un côté un peu vintage, mais pas trop. Il est quand même, il est entre les deux. Il est moderne aussi. Voilà, la dernière petite chose dont je voulais vous parler. Ah oui, c'est un livre que j'avais commandé le mois dernier, je crois, que j'ai reçu. Donc, c'est un livre de la marque République du Chiffon. Donc, je vous avais dit dans un de mes podcasts que j'aimais bien leur patron. Enfin, en tout cas, j'en avais testé un, j'en avais été très contente. Et j'étais tombée sur ce livre qui propose pas mal de basiques. Alors, je crois que c'est un livre qui existe depuis assez longtemps. Qui existe depuis quand? Je ne sais pas si c'est marqué ici, mais j'avais lu qu'il existait déjà depuis un moment. Peut-être depuis les débuts de la marque. Alors, je ne sais pas si je raconte des bêtises, je ne vais pas vérifier. Ah non, dépôt légal mai 2021. Pourquoi j'avais compris ça? Alors, j'ai certainement encore compris de travers. Il ne faut pas s'inquiéter. Et donc, dans ce livre, on a tout un tas de modèles classiques, en fait. Voilà. On a des petites robes classiques. Petite jupe classique, jupe hôtesse.
Tac. Petit chemisier aussi, voilà, ça c'est le genre de truc que ma fille aime bien aussi. Et donc, voilà, il me plaît bien, je ne l'ai pas du tout encore testé. Je me rends compte qu'en fait, je teste pas si souvent que ça les patrons des livres. Voilà, celui-ci, je pense qu'il plaira à ma fille. Il te plaît ou il te plaît pas? Si tu regardes ma vidéo. Bref, donc voilà, donc il s'appelle Un été couture, la créatrice c'est Géraldine de Beauvais. Donc de la marque République du Chiffon. Voilà. C'est un livre vraiment sympa, que j'ai eu plaisir à feuilleter et que j'aurai plaisir à tester également. Donc je vous ferai un retour dès que je l'aurai testé. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce dernier podcast, enfin de ce podcast numéro 6 plutôt. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que si vous êtes couturier ou couturière, vous arrivez à trouver du temps pour vous, pour coudre. Et puis, je vous dis à bientôt.